200 policiers kényans supplémentaires ont été déployés en Haïti. Ces agents se sont envolés pour le pays des Caraïbes dans le cadre d'une mission soutenue par les Nations Unies pour tenter de lutter contre la violence endémique des gangs. Le Kenya a déjà envoyé quelques 400 agents à Port-au-Prince, la capitale haïtienne, en juin. Le président kényan William Ruto avait alors pris la décision controversée d'envoyer quelques 1000 policiers pour aider à stabiliser le pays en proie à des troubles. Le chef d'État kényan tente simultanément de ramener le calme dans son propre pays où les manifestations antigouvernementales se multiplient. Le Kenya est à la tête d'une force qui devrait compter au total quelques 2500 personnes qui travaillent en étroite collaboration avec la police nationale haïtienne. D'autres pays, principalement d'Afrique et des Caraïbes, contribuent également à la mission qui est bénie mais non gérée par les Nations Unies.